Président, je vous monsieur, en prie. Monsieur le Président, messieurs les ministres, vous sentez que nous sommes dans une colère froide. Voilà, les événements sont passés. Je regrette ce qui nous arrive collectivement, mes chers collègues. Je pense que la droite sénatoriale est en train de rentrer dans une machine infernale qui est en train de la submerger, y compris en termes d'image. Ce qu'a dit notre collègue Éliane Assassi sur l'irrecevabilité des amendements qui n'ont même pas été examinés, ils n'ont pas pu être examinés techniquement, mes chers amis. C'est impossible. Et ils ont été déclarés irrecevables. Peut-être que vous considériez que nous n'aurions pas de riposte potentielle après l'utilisation de l'amendement prioritaire porté par le rapporteur. Mais nous avons le droit de nous exprimer, essayer de défendre nos idées. Vous ne le voulez pas, manifestement, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imperfections, pour ne pas dire de bricolage, dans la gestion de notre débat de ce soir. Je le regrette, Monsieur le Président, vous n'y êtes sûrement pour rien, mais le constat, il est là. Et les membres de mon groupe donc, ont décidé de s'associer à la démarche qui est la nôtre, de vous laisser. Vous voterez peut-être l'article 7 cette nuit. Eh bien, nous en rendrons compte devant les Français qui ont défilé aujourd'hui. Mes chers collègues, nous vous laissons entre vous.